Alors, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui parfois ont le sentiment d'être un peu inexistants, d'être inadéquats, qui ont du mal à prendre leur place finalement dans le monde, parce qu'ils savent pas trop comment l'apprendre en fait. Ils ont toujours l'impression que les autres c'est mieux, euh, qu'intérieurement en fait, ils, ils manquent en fait d'originalité, de, 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 de capacité, euh, et qui sont finalement pas très intéressants. Donc si vous ressentez ça, bah, sachez que vous n'êtes pas tout seul, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui vivent ça, et on s'aperçoit que c'est en fait un schéma euh, psychologique qui a tendance quand, parfois, comme ça, à nous frayer de l'intérieur. À la fois, c'est quelque chose de puissant, parce que ça nous permet, euh, effectivement, d'être euh, juste avenant, ouvert aux autres, euh, de prendre sa place euh, tranquillement, et de se glisser, comme ça, euh, discrètement dans, dans les espaces, mais du coup, on a, on a du mal à, à exister par soi-même, en fait, et euh, on aimerait ressembler aux autres, et on voudrait prendre, justement, plus cette, euh, cette, cette avant-scène, mais on a, on a du mal à le faire. Alors, ça me fait penser moi, à une personne que voilà, que, que, que j'ai rencontrée en, en, en séminaire, qui fait partie des nombreuses personnes que, que j'accompagne, euh, puisque je, je, je fais ce métier depuis un certain nombre d'années. Hein, ça fait plus de 30 ans maintenant que je forme et j'accompagne des, des personnes. Et je voudrais parler de, justement de d'Henri. Henri, c'est un jeune garçon qui voilà, il est très discret, il est très euh, observateur. Euh. En même temps, il a une grande sensibilité, mais il a l'impression que, du coup, euh, c'est toujours euh, quelque chose qui arrive un peu comme un, un cheveu sur la soupe, en fait. Et, euh, et donc, il ne sait pas trop comment prendre sa place. Et là, qu'est-ce que j'ai fait avec lui C'est d'abord euh, de lui faire repérer ce décalage c'est-à-dire qu'effectivement et c'est pas un défaut c'est une façon d'être c'est une sensibilité c'est une espèce d'habitude qui s'est constituée comme ça d'être un petit peu en retrait donc euh, par exemple quand il arrivait euh, dans une salle de, de, de formation, on le sentait, il avait un peu les épaules en arrière, comme ça, il regardait. Euh, dès que, euh, par exemple, si la, la, la pause était annoncée, bah, il se demandait toujours euh, tiens, avec qui, vers qui je vais aller etc. On sentait que tout était à la fois dans une espèce d'observation et en même temps une grande sensibilité. Et euh, qu'est-ce qu'on qu qu a fait, donc, justement C'est de, de, de l'aider à mesurer cet écart, parce qu'au début, il n'en avait pas forcément euh, tellement conscience. Et puis après, bah, d'oser, en fait, euh, d'oser à la fois ressentir davantage les choses, mettre des mots, parce qu'il en avait beaucoup de la sensibilité. Donc ça valait le coup justement qu'il puisse exprimer cette sensibilité, donc mettre des mots sur ce qu'il ressentait, et puis aussi d'agir, c'est-à-dire de, de, de bouger, parce que alors qu'il était un peu dans la retenue, voilà, d'ouvrir de, de, son corps, de... Euh, moi, je l'ai invité à faire de la musculation, à faire des tractions, à, à piquer des 100 mètres, voilà, à, à varier énormément euh, sa vie, et, et du coup à prendre sa place. Quand il s'étirait, vraiment, se tirait largement, voilà, de s'ouvrir et, et, et du coup d'utiliser son corps pour prendre sa place. Et peu à peu. On a vu ce garçon de jour en jour évoluer. Et ça, ça a été vraiment très libérant pour lui parce qu'il parce qu ne se rendait pas compte en fait qu'il était dans ce, ce mode-là. Donc vous voyez, ça c'est très intéressant quand on s'intéresse à la psychologie humaine d'aller découvrir justement ces carcans qui parfois nous freinent, nous, enf nous enferment aussi dans, dans des systèmes qu'on n'a même pas forcément conscience et qui pourtant, si on les, les délivre, et bien vont, vont nous ouvrir à un potentiel de, de dingue. Et c'est pour ça que je fais cette conférence le 25 mai. Je vous invite évidemment à cliquer. Sur le lien qui est, qui est joint pour euh, non seulement vous proposer une soirée où on va, on va faire le tour comme ça des, de cinq grandes dimensions qui ont révélé euh, énormément de personnes que j'utilise depuis plus de 30 ans maintenant dans, dans mes formations et sur lesquelles je reviens. Il y a plein de techniques pour appliquer ces principes, mais nous on va faire le tour de ces principes. On va s'amuser aussi parce que vous avez, je vais vous solliciter autour d'une problématique que vous connaissez aujourd'hui. Vous allez voir comment dans votre inconscient est inscrit bah, tout un ensemble de petites choses qui, si on les met en avant, vont, vont vous aider quelque le problème sur lequel vous êtes un petit peu bloqué en ce moment ou, ou l'objectif sur lequel vous aimeriez avancer davantage donc euh, voilà ça va être l'occasion en tout cas cette soirée d'expérimenter des choses qui vous allez voir vont, vont probablement vous, vous toucher beaucoup et, et vous révéler des choses vraiment intéressantes et puis au cours de la semaine parce que cette soirée, ça va évidemment vous ouvrir des tas d'idées, mais après, on va se lancer ensemble dans un challenge qui est à la fois de eh bien de vous régénérer, ça s'appelle régénère-toi, euh, se régénérer de l'intérieur et surtout contribuer à soutenir une personne euh, proche, ça peut être un enfant, un conjoint un ami, un, un collaborateur, enfin quelqu'un qui, qui est autour de nous, peut-être un voisin, mais de repérer comment il fonctionne et chaque jour on verra quelques quelques éléments clés qui si vous les appliquez en termes de communication vont vraiment aider la personne à s'ouvrir comme une fleur au lieu de se renfermer sur lui-même ou sur elle-même et donc je vous invite vraiment à découvrir ces clés euh, et passer une semaine avec nous tout ça c'est évidemment complètement gratuit enfin, je crois qu'au au, au, au sorti des, des mois qu'on a passé avec cette histoire de, de Covid et tout ça je crois il y a beaucoup de personnes qui gagneraient aujourd'hui à en profiter pour se régénérer un petit peu plus pas seulement à travers le sport mais à travers leur psychologie et c'est ce qu'on va faire ensemble pendant une semaine. Voilà on sera tout un collectif, ça va être vraiment très très sympa. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, vous cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo, on se retrouve le 25 mai à 21h. Pour une soirée, vous allez voir, exceptionnelle, dans laquelle on va interagir. C'est vraiment une masterclass ouverte et gratuite, dans laquelle vous pouvez inviter un maximum de personnes. Et puis, au cours de la semaine qui va suivre, on va mettre en application ce qu'on aura découvert cette soirée-là. Ça va être vraiment génial. Et ça, ça va nous préparer à une suite, si vous le souhaitez, après, qui est de, de s'ouvrir à un nouveau départ. Un nouveau départ, ça veut dire repartir à neuf sur n'importe quel domaine de votre vie que vous auriez envie de faire évoluer. On en parle ensemble. Ce sera. Le 25 mai, notre prochaine étape. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien qui est ci-dessous ou à côté de cette vidéo. Et puis, j'aurai un immense plaisir de vous retrouver à cette occasion-là si toutefois ça vous euh, convient. Et en tout cas, si, si vous sentez que, que ces dimensions peuvent faire une différence dans votre vie ou celle de vos proches. Merci à vous et au grand plaisir de vous retrouver.